Nous gagnons maître Caleb Jean-Baptiste sous question arrestation qui fait sous route fanatique PHTK, Zami président Martelly qui t'a le bal backup, qui te THK pour eux là. Dans la soirée qu'elle était réalisée vendredi soir, belle soirée, hein? Mais après dans Stamboulou, c'est son proverbe, après dans Stamboulou. Donc, M. Caleb a fait une intervention sur ça. Donc, eh bien bon, n'a pas dérapé avec M. Caleb. N'a pas dérapé avec M. Caleb, capitaine nous déjà, sur question ça, justement pour qu'il explication, les gens le comprennent, et étant comme avocat, et comment le comprendre. Et arrestation qui va être Saint-Domingue. Donc, voilà. Et puis, on a le plus devant pour nous garder plus de bagailles. Parce que, maintenant, surtout, on a prêté sur 18 mai parce que nous sommes vraiment intéressés qu'on ait comment 18 mai a passé dans le pays d'Haïti. M. Caleb Jean-Baptiste. On salue M. Pierre-Martin Tatout. On salue Louko. On salue Isaïe. On salue l'autre fois mes amis, la studio. C'est avec plaisir que nous pouvons parler des dossiers qui concernent la justice, particulièrement le dossier Woody et dissociation familiale, et ils ont arrêté ces domaines, et ont déféré dans le CPJ, nous avons dit le mot du droit de concernant ce qu'on fait, juste pour éclairer l'antenne auditoire. Nous pas qu'à parler de toute façon pour nous pas et faire un coup d'œil sur Anel Bélizaire, mais avant, et je dis à Outias que pour te dire un mot sur l'arrestation, ça, et son arrestation concernée, et ou dit qui fait Saint-Domingue là. Écoutez, M. Gamateta tout, vous connaissez que nous-mêmes, comme professionnels du droit, M. Caleb Jean-Baptiste, comme coordonnateur général, bloc avocat engagé pour libération prisonniers politiques et pour défendre le monde. Et nous avons regardé la justice haïtienne. Nous avons toujours dit qu'il est décrié, il est corrompu, il est pris en otage, la vente aux plus offrants comme si patate, il y a vente dans le marché, ou que doit aller dans le marché là, ou le patate, puis on dit que nous avons 5 ans de la justice haïtienne. Et par exemple, là, dans le dossier ancien député Anel Bélizaire, côté que la souffrit, gagne Claude Jean, et qui a violé le droit, malgré nos citations correctionnelles, ou est-ce que nous pas jamais dossier pour que lui-même il t'a présenté devant le juge naturel, bien que je dis qu'à là, nous allons un coup d'appel là, pour son sitting, pour nous exiger à Claude Jean pour responsabilité. Et pour nous aller, comme vous connaissez, mercredi, nous avons une conférence de presse dans Alvarez Restaurant. Pour aller demander libération à Anel Bélizaire qui lit Job Babas, Renel Coutwa, un jeune policier qui t'a servi pays, il n'a pas jeté en prison. Par contre, pour qui ça a arrêté Coutwa, peut-être parce que Coutwa, c'est Simon Bellet, il parle de ça. Il a arrêté Abelson Gonet, un jeune policier. Il a jeté en prison, nous-mêmes sommes clairs avec vous. Coutwa n'a pas arrêté en prison. Anel Bélizaire n'a pas arrêté en prison. Gary Filebon qui lit pas carré en prison. Et Abel Chongonet pas carré en prison. Parce que, well, dernièrement là, si nous sommes juges, nous sommes commissaires gouvernement, il faut que tout ça prenne conscience pour les gens, le président, à mettre le peuple en façon. Ou bien est-ce qu'on ne l'a pas connu, on ne pas comprendre. Le président dit que les éthiques Pieti Jacques, il n'y a pas de justice, les partisans juges. Il y a une justice. Et comme s'il dit, tout juge d'un pays assez corrompu. Nous sommes dit nous corrompus, on va respecter nous. Pour qui ça nous va faire travailler nous comme juge? Pour qui ça nous oblige à prendre l'ordre? Nous avons violé les droits à l'État, violé les droits publics, violé les droits à personne connectée, Je le dois réagir aux policiers qui souffrent en pile parce que le Sénégal est arrêté. Oui, mais Caleb, ce n'est pas la première fois que le président fait constat déjà. Constat, ce n'est pas la première fois le faire. Mais je pense que l'autorité judiciaire permet ça me dire, excusez, je n'ai pas gagné nos figures. Moi-même, je dis, et m'assume les responsabilités. Je connais en parler même déjà. Bon, mando rapide, comment sentez Anel Bélizaire, Kouliala? Dans le moment où on a parlé là, l'ancien député Anel Bélizaire a flé. Mais on a pris de l'enfant. Mais on a regardé le député Anel, on a pris le malade, qui a enflé. C'est peut-être ça nous-mêmes. On est tout peuple haïtien, de nord au sud, de l'ouest à l'est. Pour porter solidarité avec le député Anel Bélizaire, maintenant des classes politiques. Le député Anel Bélizaire, c'est un député qui est pour travailler colossal dans le Parlement, même avant un député qui est tout. Même Jean, il est chef de parti. Quand il est tout chef de parti en Haïti, nous sommes hypocrites trois. Nous connaissons moi-même ma direction. Nous sommes hypocrites trois. Nous permettons d'écrire un livre sur nous. Parce que l'hypocrisie arrive trop loin. Nous ne pouvons pas quitter Anel Bélizaire. Nous, comme avocats, nous devons saluer les dénonceurs, les examiner, les fruits, les mettre la fortune. Tout avocat qui travaille dans le dossier, attendez, monsieur qui est genou, tout avocat honnête qui bataille dans le dossier, les classes politiques là, contenez-nous. Tout ça nous fait parce que nous sommes arrestations purement politiques. En ce début d'année, Bélizaire a subi. Connaît que nous, Claudia, qui fait appel sur avant du droit préparatoire. Mais oui, nous connaissons clairement l'article 21 de la loi du 29 juillet 1979. Il part à faire. Et même si tu as fait le pouvoir en cassation, comme je sais ça dit, pouvoir en cassation qu'il fait là, vous connaissez pas suspensif. Et jugeant de ordonné à monsieur qui c'est Claudia, qui c'est une nanette pour un oncologique. Ma blague en photo l'autre jour sur Facebook, nous allons camper et directeur judiciaire. Et quand on dénonce cette contre lui, le commissaire Lafontaine a dit, next a pris un corps pour l'exécuter dessus. Ou a besoin de justice. Et par contre, ça est, là, on a pris un corps pour l'exécuter dessus, nos dossiers. Et par exemple, c'est quoi qui était sous vous, qui dénonce seulement des pétitionnaires, mais des piles bagages pour l'enquêter. Et pour qui ça, les hommes, ils ont dit que la corruption, qui devait s'accepter, il n'a pas jamais enquêté sur eux. Claudia lui, maintenant, c'est cité non comme qui prend l'argent pour l'exécution. L'exécution peut faire pile milliard. Il parle de corruption. Claudia lui, même qui dit que Anel Bélizaire, il y a problème personnel avec Anel Bélizaire parce que les campés, mon papa, on a abus. Anel était campé en face, il n'est pas d'accord. Il était dit que c'est en présence de député Manel, député Fauclotio. Ça a un problème, on ne peut pas violence sur nous. Pour qui ça que nous faisons action contre l'autre gens. Si tel questionnaire pour arbitraire, c'est ça pourquoi j'aime quand même. Nous avons pile bail pour dire sur ça, mais et vous connaissez jeudi, nous n'avons parlé justement pour l'arrestation qui fait Saint-Domingue là. Et donc, qui sont pensés de l'arrestation ça qui comment on va faire? Ok. Selon la loi, on faut résumer de qui ça. Là, il y a une ordonnance qui sortit. Par exemple, ordonnance qui sortit dans le tribunal de l'instance dans le cas, monsieur Boubi-Idéa. Là, il faut juger le tribunal criminel, c'est assistance des juges. Le tout pour nous connaître, le tribunal criminel avec assistance des juges ou sans assistance des juges. Les assistance des juges, c'est les gens qui ont fait crime de sang. Par exemple, nous avons tout le monde. Depuis des crimes de sang, ou après c'est assistant juge, ça veut dire après un juge qui peut le délibérer, demander est-ce qu'il a condamné ou pas. Mais c'est assistant de juge tout, on parle de kidnapping, on parle de l'autre infraction, par exemple, association malfaiteur, un qui d'autres infractions. Dans le cas où il était un tribunal là, en instance, quand on pense que vous voulez, monsieur, à juger, un tribunal criminel, c'est assistant de juge, accompagné de plusieurs autres moules. C'est génial le dossier à partir. Mais, vous connaissez que l'ordonnance est sortie dans la première instance. Monsieur Pierre Marquita, tout journaliste expérimenté, nous compte, nous ferons mieux que le studio. Vous pouvez voir de recours qu'à faire. Vous pouvez faire, lancer le tribunal de première instance, pas de ordonnance. Vous pouvez faire appel de l'ordonnance, vous estimez que l'ordonnance a causé des préjudices. Eh bien, il y a un dossier qui estime que l'ordonnance cause au préjudice, ma part de monde qui est dans le dossier avec monsieur Woudi et Télan. Ils sont sur la famille de Renel Bélizaire. Également, ils ont été libérés le même jour. Eh bien, quelqu'un qui a fait appel et ordonnance ça. Mais où connaît que, ça m'a dit, oui, ici c'est un peu en pile. Les juges d'instruction, est saisi inhérent et non international, ça veut dire ça. Les saisies inhérentes sont saisies sur les infractions. Si qu'on y a des instructions en infraction, on demande un réquisitoire trois supplétifs avec le commissaire gouvernement. Mais si sur les moules, ils veulent tenter dans le même cadre de fait, ça veut dire que les gens qui ont été inculpés toujours inculpés par des réquisitoires supplétifs pour les gens. Eh bien, ça veut dire où est-ce que c'est un dossier et pas un moule. Eh bien, là, on y a la ordonnance de sortie qui est un coupon qui fait appel. Mais il fait appel sur le dossier. Parce que l'ordre de la loi du 29 juillet 1977 sur l'appel pénal, c'est clair. L'on fait appel là suspensif. L'appel est suspensif. OK? Eh bien, le fait que le dossier a on a, c'est qu'on oblige de transférer tout dossier dans le coup d'appel. Bien qu'on fait appel de l'ordonnance du tribunal de première instance, on oblige de transférer tout dossier dans le coup d'appel. Si c'est pas coup d'appel Port-au-Prince, qu'on n'a pas eu de tribunal de première instance de Port-au-Prince, à notre grand étonnement, et ça, même des choses, c'est dans les bagages, ça coule tout. Nous, Woudi et Téan, ils ont été ajugés pendant que le dossier a été en appel. Là, c'est une violation de la loi. Là, c'est une violation de la loi du juillet 1979 sur l'appel pénal. L'âme de l'État comprendre, c'est ma gouille qui prend le fait de la dossier. Effectivement, les arrivés, bon, vous connaissez la Martelly, à l'époque, le tout-puissant, c'est le juge qui est carré dans la corruption. C'est juste qu'il est carré dans sa salle de justice là, et puis il était venu révoquer par la suite. Eh bien, la loi Bélizaire est libérée où il était avec tout le missif, il te dit allez nous libérer parce que sous ta commettre, une fois que ça va commettre, encore. Vous voyez? Eh bien, bagage ça qui était tellement fait des scandales, selon la loi, parce que nous violer la loi du 29 juillet 1979 sur l'appel pénal, tout pays, tout le monde a parlé de lui. Eh bien, Paquet, et mon bleu tout le monde, Paquet a tout, t'es dit, comme c'était dans ces gens, il t'a dit que pas de matière pour poursuivre Woudi et Téan. Même Paquet, ça a dit pas de matière, on était obligé, avec pression populaire, faire ça, le pouvoir en cassation. Vous comprenez bien, oui? Pourquoi vous parlez pouvoir en cassation? Parce que l'enseignant, il y a un petit qui sortit dans le tribunal criminel ou pas qu'à faire appel, parce que ou qu'à faire pouvoir en cassation. Contrairement avec l'ordonnance qui sortit dans le bureau de juridiction. OK. Il fait pouvoir en cassation. Eh bien, la Cour de cassation est annulée, cassée, annulée, décision ça. Qui est la loi Bélizaire qui prend. Immédiatement, il a annulé. Regardez toute ordonnance qui sortit dans la première instance, regardez l'article 120 contre le criminel là, il faut pas qu'on. Après, ça veut dire il y a toujours ordonné pour arrêter les gens, mettre en prison, pas dans la prison. Ça, c'est l'article 120 des codes de succession criminelle. Ça veut dire quel que soit le monde. C'est une ordonnance qui sortit contre la prison, ordonnance surtout sortie avec contrat qu'on a ordonné pour l'arrêter ou pour mettre en prison pour qu'elle soit disponible. Les décisions, les que la prison pour l'autre. Eh bien, puisque qu'on a compensation, il annule décision et juge Bélizaire, eh bien, son fonds est allé au temps initial du dossier. Et comme si c'est une famille qui est équipée, elle vient accuser, parce que l'intérêt de la tribunal criminel, c'est accusé de le cabinet de succion. Eh bien, lorsqu'on pouvait inculper le cabinet de succion, il était venu libérer suite avec décision de la Bélizaire, ils ont annulé la décision d'une preuve d'état initial. Ça veut dire d'une inculpée encore. Est-ce qu'on bien comprend ça comme ça, peuple haïtien? Eh bien, puisque Kounia là, monsieur était libre, il faut que tu aies un moyen pour le mettre le côté, pour le besoin. les deux sujets, les abjugés, eh bien, on me pose la question. Donc, question qui pose, est-ce que ce commissaire gouvernement Port-au-Prince qui te doit mettre mandat d'amener de elle? Il y a des gens qui disent ça. Est-ce que ce commissaire gouvernement prend la Cour de cassation qui te doit faire des massacres pour faire arrêter monsieur? Le fait que la Cour de cassation définit statut, lui, référé dossier par homologue qui c'est commissaire gouvernement, tribunal de première instance Port-au-Prince. Et parmi nous, ce n'est pas le tribunal de première instance, c'est pas le Cour de cassation pour juger. C'est tribunal de première instance, c'est commissaire gouvernement, tribunal de première instance qui vient comme devoir pour le mettre dossier en mettant. Donc, qui vient comme devoir pour faire acte d'accusation pour le dossier en mettant. Eh bien, c'est à bon droit, c'est commissaire gouvernement Port-au-Prince qui te met le mandat d'amener monsieur, pour y aller chercher, pour mettre en prison, et puis pour y aller, pour monsieur à juger. Donc, ça que fait Saint-Domingue, c'est ça que tu dois faire. Bien sûr, parce que c'est un mandat d'amener qui décède les conflits. Le paquet du mandat d'amener est adressé à la DCPJ. DCPJ, je ne sais pas qui est que, qui est aussi entre Haïtien et la République dominicaine. Mais il est clair que monsieur a été mandat d'amener d'elle. Et que c'est un vidéo chez derrière parce que la justice t'a cherché. Oui, mais écoutez, mais font-ils souffrir là? Mais est-ce que nous-mêmes qui sommes dans le pays, est-ce que nous comprenons que la justice t'a cherché? Donc, bon, comme ça, avec moi-même, parce que. Son monde qui est libre, un monde qui est libre dans le pays. Bon, clairement, c'est bon, la justice t'a cherché. Si c'était la justice haïtienne, la police haïtienne, je ne vais jamais arrêter. Je ne vais pas jamais arrêter. Raison. La famille a eu. Tout le monde connaît côté social, la famille a toujours été rogli, a bien vivre. Il va jamais chercher. Mais monsieur a décidé de et peut-être que dans j'étais communiqué par contre qui pression qui fait sous yo. Je t'ai déjà demandé ces domaines à l'époque. Mais qui est cherché? Eh bien, on est obligé de remettre. Bagala de faire bruit. Si Bagala va faire bruit, depuis sous faute, ça va la gueule. Le fait que si Bagala va faire bruit, depuis sous faute, ça va la gueule. Parce que. Non, mais tout à l'heure, on parlait, hein, ou répéter que son la famille est un pouvoir. Mais jusqu'à présent, c'est même pouvoir. Non, on dit t'es gain pouvoir. Non, jusqu'à présent, aucun pouvoir. Donc ça veut dire que si les patates jam recherchées par la justice, eh bien ça va toujours arriver là et puis yo les libérer puisque le pouvoir toujours là. Bon, bon, comment nous bagaille. Les ouais, mandat d'amener ça. DCPJ pas un nid pour la donne. DCPJ pas qu'à exécuter, pas qu'à analyser, vous dites, est-ce que le mandat est légal ou illégal? Parce que c'est une autorité judiciaire de mettre à DCPJ pour qu'elle cherche au monde. Au monde, on cherche pour mettre de l'autre côté, pour la juger. DCPJ est seulement pour conduire cela dans le parquet Port-au-Prince, en vertu du principe que le parquet est un et indivisible, en vertu du principe également la continuité de l'État, de la justice, eh bien, un commissaire qui l'a seulement dit comme devoir, comme obligation légale pour faire un acte de dépôt, et puis pour mettre dossier en état pour le juger dans ce final. J'ai que, à l'air où sa carence, on m'a dit ça. Est-ce qu'on comprend? Pas de un commissaire gouvernement il n'a pas fait un du tout pour la dire que la plague, pas de ça parce que c'est nous que c'est une ordonnance qui est appliquée là. Parce que monsieur était déjà dedans. Ça s'en va bien. Il était déjà en prison. Il y a un jugement qui libère. Il a fait pouvoir en cassation. Il y a du jugement ça qui libère là. Il n'est pas bon, il était mal fait. Il a annulé. Mais immédiatement, quand il était là, l'État a été préalablement. L'état initial là, il tourne automatiquement là-dedans. Qui c'est côté le DEA, qui c'est dans la prison. Et le fait que c'est dans la prison pour rien, commissaire du gouvernement à l'époque, qui c'est là, Il te mettait un mandat d'amener des messieurs et des CPJ par la suite de la vidéo chef pour te chercher monsieur pour retourner côté et parce que le jugement qui était libéré là il a annulé. Alors que la police des CPJ pas rien pour louer le bagage ça sous garder. Article 18 code de succès criminel moi par là article 121 et code de succès criminel il clair de il pas rien pour louer le bagage ça il seulement pour le mettre et sur la famille vous dites sur la famille avec le parquet du Port-au-Prince, commissariat, mais il n'y a pas rien pour ça, parce que il n'y a pas d'appréciation encore, commissaire. Il n'y a pas pour dire que est-ce que monsieur est fautif ou pas, il faut seulement gagner pour appliquer l'ordonnance. Et l'ordonnance, il est pour l'appliquer là, comment il est pour l'appliquer, le demande de vous mettre sur un état, c'est pour tout un état, et bien il est comme il est en état là pour le déférer dans la prison civile, pour tout le prison civile, il vrai, mais c'est pas pour monsieur arrière, et puis par la suite, pour lui-même, comme commissaire gouvernement, pour lui mettre le dossier en état, avec des pour accusations, pour le faire ça, pour le monsieur, pour le faire un jugement, ok? Et puis, pour monsieur à juger devant l'autre juge, il a su libérer le baronnet. Là, l'autre juge a toujours choisi de libérer, s'il n'y a pas de matière. Mais l'autre juge a condamné tout s'il n'y a pas de matière. Ça ne veut pas dire que monsieur. On parle de choses sur la famille. Il va passer tout le temps dans la prison. Ça ne veut pas dire qu'il condamne automatiquement les faits qu'il a arrêtés. Il y a des possibilités de juger. Il juger, il va juger, il va y avoir un avocat qui va constituer pour lui. Il va y avoir un représentant du ministère public, un commissaire gouvernement qui comprend dans ce représentant du ministère public, qui peut demander des peines pour lui. Il va y avoir un juge qui va le statuer. Il va y avoir des matières. Il y a libéré. Si il y a matière, il y a libéré. Mais comme il n'y a pas de l'autre choix, il faut monsieur pénitentiaire et préparer le dossier pour monsieur. Maître Caleb Jean-Baptiste, eh bien, ça, dernière question. Et moi, je vois que Gagné, un personnage, dans la question de justice, ancien commissaire gouvernement, Maître Lafontaine, qui a une accusation sous lui. Mais ça n'est toujours pas belle lorsque c'est personnage qui a une grande responsabilité comme ça. Et ou pas une idée de. Ou pas aucune opinion sur ça? Ou enfin, mon opinion en tant qu'un citoyen qui a évolué dans le pays. C'est ça que je toujours dis. Dans le pays, il faut prendre des précautions. Vous voulez savoir la justice, la police. Te doit rapidement, immédiatement que ça arrive pour te enquêter. Qui va le DCPJ? Faut regarder. DCPJ, c'est second monde qui. Non, mais il doit enquêter depuis samedi, dimanche. Eh bien, je vais clair avec vous. Mais ça va sortir de son côté. Mon père écrit message là qui maintenant là, maintenant commissaire. Ce pas qui simple pour équiper avec technologie qui est pour équiper les monde qui écrit message là, pour nous là son témoin vraiment qui aussi important. Pour mettre lui sous qui base de ce commissaire gouvernement, donc ce commissaire, qu'on y a là, pour entendre que d'abord, faut que DCPJ déjà après des commissaires là, s'il va être entendu, parce que d'abord, nous aussi, nous sommes faut entendre. Faut que DCPJ garde dans le moment où nous sommes là, côté de cette là, par rapport avec les technologies, regarder parce que le téléphone commissaire dans la zone dans le Sahara. Vous comprenez? Mais quand même, c'est regrettable pour le commissaire du gouvernement et chef de la poursuite pénale et pour ces bagages ça pour la pénale. À tort ou à raison. À tort ou à raison, si c'est un monde vraiment qui t'a fait ça par Michel, je trouve que mon a très méchant. Et c'est commissaire tout lui-même. Et il t'a participé non bagages comme ça. Et il t'a prouvé qu'il vraiment pas mérité sévèrement. Mais connaissant l'homme, non. En parlant de Jacques Lafontaine, je ne connais pas ces gens qui font dire de tout cœur, hautement pacifique. Ça m'oblige de dire. Mais quand sont gens qui hautement pacifique, et pas monde qui me connaît qu'on marche dans le club. Eh bien, merci beaucoup, Maître Caleb, pour jeudi. Merci un peu, monsieur Bernard Tetatou, parce que vous avez une possibilité pour aller dans le plus gros fond pays à passer dans le moment ça, pour des. Pour toute clarification, non seulement sur le dossier de Anel Bélizaire, également Renel Coutwa, les petites personnes qui t'a battu en pile, les gens mettent en prison à Belgique, et pour nous faire un retour sur le dossier où tu étais là, et pour nous débattre opinion nous sur le dossier comme c'est le gouvernement. Et malheureusement, nous, qui dans la cité dans le dernier jour, ça, nous avons des bagages que nous avons. Bonne journée, bon travail.